Hallelujah. Hallelujah. Bon Dieu. Combien de monde qui content est-ce que notre présence, bon Dieu, a souhait? Ou ne doit pas comprendre ça qu'a fait là? Parce que si pas contre sa adoration avec louangier, là où on a crié ou bien on a dansé, la gens pour passer mon en fou. Bon Dieu mérite adoration. Il mérite louange. Et pendant quelques minutes, nous allons méditer avec vous et topic nous. C'est pour comprendre la différence entre louange et adoration. When you understand the difference between praise and worship, it's going to bring a new death in the way you honor the Lord. Leur comprendre ça qu'a fait, leur comprendre différence, ou pour l'entrer en profondeur, comment que vous adorez mon Dieu, comment que vous honorez mon Dieu. Et à travers la Bible, nous pas de passage, parce que si nous avons tout passage, nous avons fait toute nuit dans là. Bon Dieu, commandez louange. He commanded praise. Grand pile fois, ou ap di somyol di, louez l'éternel. Louez l'éternel, vle di, hallelujah. Alléluia, c'est gloire ou ap bay, mon Dieu. In English, we say, highest praise. Dans 89, verset 5, 3, 148, verset 2, li commande tout habitant, tout monde, tout ça qui a respiré pour louer l'éternel. Et bon, si nous ne si nous pas voulons louer, la faire wash, ba louange. Nous avons bouche, nous avons yeux, nous avons pied. Je dis en entre là, parce que nous avons gardé, parce que nous avons souqué tête, désolé, parce que nous avons comme ça. But guess what? I said I'm gonna praise no matter what. Fam loue bon Dieu nan parce que bon Dieu nan pi gros parce que douleur qui dans genou nan. Ou pas ka comprendre ça ka fait là parce que gon dimension mon Dieu pour aller avant. Gade, ou pas besoin worship team nan pour tout louer, ou pas besoin passer une sonne pour tout lever main ou pas besoin personne tout camper sous pied ou. Ou mettre ta traîne, ou ap lever, camper quand même. What is praise? Ou louer parce que bon Dieu fait bon bagay pour vous. Ou louer parce que cœur content. Ça c'est praise. When things are going good, we praise. We say praise the Lord. Hallelujah. Mais là qu'on pral entrer dans adoration, li mande on l'autre dimension. Parce que Kavin là, ou ap sauter pomper ou applouer parce que ou t'es un problème nan résoudre ou applouer parce que t'es une douleur entre la boîte douleur aller ou ka camper pour louer mais l'elle quand il s'agit de adoration what we call worship hallelujah c'est en l'autre dimension parce que l'on adore il pas dépend de circonstances adoration son mode de vie qui lié. It's a lifestyle. Tendez bien ça m'a dit là. It's a lifestyle. Gen youn k'ap suspendre, gen youn k'ap continuer éternellement. Bon Dieu créé nous pour nous adorer. Pour nous adorer pendant sous terre ça et pour adorer le ciel. Adoration pas suspendre. Parce que nous doit venir là m'pa ka louer.
Je dois perdre du voix, je ne peux pas louer. Je dois avoir un problème, je ne peux pas louer. Mais ça ne va pas empêcher d'adorer mon Dieu. Attendez. Adoration, ce n'est pas l'heure de chanter. Adoration, ce n'est pas l'heure où mettez offrande dans le panier. Hein. Adoration, ce n'est pas l'heure au service de l'église. Ça fait partie de adoration, tout. Mais si cœur ou pas la donne, c'est joie à jouer. Attendez, ou kaba menti ou pas kaba bon Dieu menti. You can fool me, you can't fool God. Because worship has to do with the heart. C'est cœur, adoration, sorti en dedans. Et ça qui sorti en dedans, il reflète dehors. C'est pas ou pas bay bon Dieu lip service. C'est pas parler, c'est pas lever main. Qui faut qu'on moun a adoré. Tam djoulan, s'oublier toute bagaille. Adoration son mode de vie. Praises intertwine with thanksgiving. Louange gen rapport avec remerciement. Louange gen en rapport avec action de grâce. Lorsqu'on font action de grâce, c'est pas adorer ou pas adorer, c'est louer. Adoration pral dépendre de priorité que ba bon Dieu dans la vie. Attendez, ou ka louer un moun. In English you can praise somebody. Un moun font bon job ou dit ou font bon job, good job. You are great. Ou praise moun nan. Mais bon Dieu mande c'est qui est pour adorer? C'est seul lui-même pour adorer. Et adoration qui a rapport avec humilité. Sois pas humble ou pas qu'à adorer. Parce que c'est bon Dieu qui priorité dans la vie. Quel que soit bagay ou mettez devant lui, dit son bon Dieu qui jaloux. Sous mettez travail, petit ou, position, talent. Sous mettez tout bagay ça devant bon Dieu, c'est yo à pas adorer. C'est pas bon Dieu. L'homme est ton prêt. Sous ça, bon Dieu, il y a dans la vie. C'est là ça qui a commencé. Où est ça qui est la vraie adoration? Servant, tu dis tout à l'heure, bon Dieu a cherché des vrais adorateurs. Moun kap adoré en esprit et en vérité. Et il y a quelques questions que nous pourrons poser pour soir. Et nous t'aurons aimé répondre. Chouchep. The how, the who, and the why. Vraie adoration. Comment nous approcher adoration? Tenez bien, Samdou. Adoration qui a rapport avec cœur. Adoration qui a rapport avec vie. We serve a holy God. Nous servons Dieu qui sait. Adoration qui a rapport avec sainteté. Ou pas qu'à bien empêcher son pas jamais repentir et puis pour abdou son adorateur. Non, ou son monde qui vient chanter. Ou son monde qui a fait instrument. Ou pour qu'on y ait adorateur. Quelle définition de worship? Comme on dit, c'est priorité. Ou pas besoin de toute l'autre définition, mais c'est priorité que bail bon Dieu dans la vie. Yon moun qui cher à moi-même, m'a fait tout pour lui. Marie me cher à moi-même, m'a mis même dans du feu pour lui. Mais bon Dieu qui créé, qui compte tout ça qui dans moi, qui ban mon petit, m'pa ka mette Marie avec petit moi devant bon Dieu. M'pa ka adorer le nom. S'il font bagay bien, m'ka di lou good job. Mais adoration moi rete pour Christ. Adoration c'est pas un event. Nous connaissons nous venir dans night of worship. C'est dans ça que nous venir à soir. C'est pour un bagage ou venir au samedi soir, au dimanche matin, ou faire 2 heures de temps, ou ya ou t'as des paroles pour virer ou aller. Non, regardez bien, son mode de vie. No matter what you're going through,
Koto ou pa ka loue ou suppose toujours ap adore. Adoration commence en dan. Tendez bien. Li commence en dan, li sorti de yo. Jésus dit comme ça que pas tant kou hypocrite yo, lè a prier c'est pour yo camper pour tout moun ka wè yo, puis a l'envu pour et pas sa adoration. C'est son fait en secret. En secret, est-ce qu'on reflète sous bon Dieu? Ou bien c'est l'église, il y a du temps de faites attention, levez-moi, chita, ouvrez bouche, chantez non. We have to prop you up. Tendez, ou pas qu'à venir là les dimanches ou bien samedi soir, venir dans night of worship pour nous prop you up, sous pas déjà adorer depuis la caillou. Sous pas mener en vie qui adorable et favorable à mon Dieu, leur venir là. Ou à danser vrai, n'a tout levé mais ou à lever mon lèvre vrai, mais cœur loin de ça qui a passé. Est-ce qu'on sont vrais adorateurs, je dis. Parce que attendez, li va chercher n'importe moun. Li va chercher moun qui connait chanter. And ladies, you are beautiful, you can sing. Not what God is looking for only. Li va chercher moun qui connait jouer. Guys, you are awesome. But it's your heart into what you're doing. Li pa chèche moun ki konn pale bien ka kanpe ke bon micro prêcher. Mais est-ce que ça me prêche à moi vivre? Pastor Anson, this is for you and it's for all of us who call ourselves worshipers or worship leaders. How can you lead a path when you are lost yourself? Comment qu'a dit pendant ce temps ou même ou perdu? Hey! Ou qui ta longue doit venir leur chanter et puis moun blaye à terre? Ça a les talents. Mais est-ce que son vrai adoration? En pile fois, nous comprenons talent avec onction. Nous dit moun anointed. Tande si m'dal dans l'école m'dal apprendre chanter m'dal apprendre jouer musique m'prendre prêcher m'dal camper là ou t'as dit OK mais le camp parce que m'conn ça m'a fait mais est-ce que m'ai onction bon Dieu sous moi tande li pa dit la chercher des pasteurs li pa dit la chercher des leaders li dit la chercher des vrais adorateurs sous son croyant ou supposé un adorateur. Vrai adorateur, mon cap chercher pour adorer en esprit et en vérité. This mic is acting up. Can I have another mic, please? I'm sorry. I don't want anybody to lose anything. God is speaking tonight. Amen. Thank you. Amen. Okay, that's better. Well, let's continue. I don't have a lot. Can I preach? Amen. Deuxièmement, who do we worship with? Le n'a pas adoré, à qui est-ce nous adoré? Dimanche dernier, nous avons prêché sous passage ça, Colossiens 3, verset 12 à 17. Sous t'es là, ou à songer sous pat là, allez dans YouTube Word of Life pour t'en des messages. Attendez, nous pas qu'à adorer ensemble, nous pas qu'à même but. Si m bralé à droite ou bralé à gauche, nous pas gagne même direction. Si m barré mon m pa ka pardonner, m pa ka adorer. Tendez bien ça m'abdoula, hallelujah. Si m ke bon sou cœur, m pa vle pardonner, m pa ka adorer. Comment m ka fait adorer pendant ce temps sou cœur? Pendant ce temps n'a parlé que adoration it's a heart condition. Worship has to do with the heart. M pa bli tout passage parce que sou té là ou attendil. Comment qu'a adorer ou pas même remet moun ki sta bokoto là. Hallelujah. C'est pas venir dire bonsoir ma sœur, bon Dieu béni ou. Et puis qu'on vire ou dire m'baka ouais fils ça. And we do it all the time. We are a whole bunch of hypocrites sitting in here. God wants you to be free for you to worship him in spirit and in truth. You need to know the truth. Jesus said you should know the truth and the truth will set you free. Ou ap konne vérité et vérité ap affranchi ou. Le moment ou affranchi ou pa ka meton esclavage encore.
Ou pas esclave encore, suspend vivre en mentalité d'esclave. C'est pas rituel qui marque adoration. Tenez bien. C'est pas rituel, c'est mode de vie. S'oublier tout samedi ou à soir, juste songer ça. Adoration, son mode de vie. It's a lifestyle. No matter what, I worship. I'm sick, I worship. I'm broke, I worship. I'm tired, I worship. Quelle que soit circonstance ou supposé adorer. Bible parle de adoration. Même dans Révélation, il dit 24 vieillards qui ça fait yo baisser, yo prosterner. Attendez, adoration, on t'a parlé de humilité. Bon me dit ça. Ou adoration, il y a geste qui allait avec elle. Ou pas qu'à adorer sous kembe tout pour vous. For you to be a true worshiper, you need to learn to surrender. Parce que l'homme garde dans parole bon Dieu, il dit yo agenouillé, yo prosterné, yo levé mes olets, l'enlevé mon olet. Attendez, c'est pas besoin nous besoin wow, qui belle rade nous mettez sous non, parce que l'enlevé mon olet son signe que on dit bon Dieu prend tout. I owe nothing for me. Take it all, God. How are you going to be worshiping et vous croisez bras comme ça? You don't know. Si ma barre formé on là, si mon croisé mon fermé comme mon café recevoir. On quitte religion derrière. Tant d'adoration, c'est pas seulement yon chanter. Des fois nous dit comme ça que you know ignorance is bliss. I hate that phrase. Ignorance is not bliss, you're just lazy. Ou pas voulez qu'on mieux, ou pas voulez faire mieux, parce qu'on pas voulez qu'on mieux. De moment où qu'on commence pour faire un bagage, puis bon, supposé faire mieux. Ou t'es dans la route, fait noir, t'es dans l'ignorance, bon Dieu, relo, li mette sous route lumière. Pour qu'il soit marché dans fait noir toujours. Attendez, bon Dieu, Jésus tellement humble. Li pardonne les gens qui t'ont tué, lio. Li embrasse moun ki te trahi li, alléluia. Tout moun ki te baldo, tout disciple yo t'a suivi, li te di Seigneur m'a suivi jusqu'à la mort, la chiche yon tout kouri. Non seulement le pardonne yo, mais li voye le Saint-Esprit vin habiter. Et puis jusqu'à présent pou ko jèm ka adorer. Tande adoration pa mesurer combien de temps ou son chrétien. Ou gen doit faire toute vie ou sauver. Et pour style pour qu'on adorateur parce qu'on adorer dans l'ignorance. You know there's something called ignorant worship. Attendez, Bible en bas un pile exemple de adoration ignorant. Premier exemple, il bas c'est Saul. Saul allait pour la offrir sacrifice devant mon Dieu. Où c'est roi mon pas prête. That's ignorant. Le Paul arrive à Rome, il dit comme ça que lui est monument to an unknown God. Paul dit qu'on adore ce pas qu'on est. Est-ce qu'on connaît qui est soit pas adoré? Lors dit son adorateur, qui est soit pas adoré? Sous qu'on grandeur mon Dieu, pas qu'à camper sous pied non? Sous qu'on grandeur mon Dieu, comme si depuis dans ma escalier, il y a eu temps de venir, oui. Parce qu'on entre dans le temple, il dit entrez. Come into his presence with thanksgiving. Enter his court with praise. Ou vino chita ou kwaze bra ou. Et pour dire m'son adorateur. M'son moun ki sauvé. Alléluia. Tant mou poko sauvé. Et ça que fait pour moun ki adorateur. We have a higher calling. I said, son, I don't know how you do it. I don't want to be in your shoes, but I am in your shoes because I am a worshiper. The fact that I'm teaching the word of God, I et pas enseigner non qui fait son adorateur. Adorer mon Dieu fait obéir avec appel. Lorsqu'on adorateur ou obéissant, bon Dieu commande pour nous-mêmes grand monde pour nous obéir et puis pour lui dire si monde obéit parents. Il n'y a pas de personne pour obéir. Je connais des fois les mariés parce qu'ils disent tout obéir. La Bible n'a pas demandé pour madame obéir Marie. La Bible n'a pas demandé pour madame soumettre.
à Marie. Et ça fait dit Timonio, obey your parents as unto the Lord, parce que c'est parents pour commencer à utiliser comme exemple. Comment qu'a fait obéir bon Dieu aux paroles et puis pendant cette parole on pas obéir. Now why do we worship? Revelation 4 verse 11 says, worthy are you, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Worship is the proper response to almost sentient being to God. Quel que soit ça qui a rapport avec bon Dieu, adoration, c'est plus bonne façon que ou ka répondre. Leur adorer ou bay bon Dieu honneur, parce que c'est lui-même qui créateur. Il dit créateur qui sa tout bagaille, pas rien qui te créé sans lui-même. Now we see the how, the who. Let's look at why we worship. We worship because God desires us to worship him. We worship because it pleases God. Le bon Dieu dit comme ça que lui siéger. He enthroned the praises of his people. Lui remet que là nous pas adorer, c'est ça qui fait lui créer nous pour ça. Ou pas t'obliger là toujours. Qui ça fait que faut mériter là? Qui ça me fait que femme là aujourd'hui? I should have been dead and gone. But God gave me a second chance. Why? So I can worship. Why are you worshiping? Attendez. M'pral bo quelques raisons. Sou pa konn pou ki sa pa adoré. Nous adoré bon Dieu pour moun ke liye a. Et pas pour ça le ba ou but for who he is. Nous adoré bon Dieu pour ça le fait pour nous. Nous adoré bon Dieu parce que li commande nous pour nous adorer. Nous adorons bon Dieu pour nous bénir et pour nous honorer. Nous adorons bon Dieu parce que il aime nous. Nous adorons bon Dieu parce que nous remel en retour. Et l'on adore bon Dieu, li ralou vin pi près. Ou pas kal près bon Dieu, sou pas un vrai adorateur. Adoration, exaltation, appréciation, c'est pour bon Dieu que vous êtes. Et ou pas qu'à serrer ça, ou pas qu'à cacher adoration, mon Dieu, leur fall in love avec mon Dieu, leur tomber d'amour avec mon Dieu. Vous chantez qui dit falling in love with Jesus is the best thing I've ever done. Leur tomber d'amour avec mon Dieu, c'est plus gros bagarre ou t'es qu'à faire. Pas juste content de l'église, mais tomber d'amour avec créateur. Et leur tomber d'amour avec créateur ou adorer. Parce que leur bon ménage ou tomber d'amour avec ménage, ou pas qu'attendre pour te dévoile. Tout ça ou est dans ce temps à remé balil pour faire quel plaisir. Qui sont d'accord pour bon Dieu à soir? What is your act of worship? Tenez, bon Dieu dit comme ça que m'paka, David dit m'paka bay bon Dieu sacrifice qui pas coûté rien. Qui ça le coûte pour adorer? Est-ce qu'on sont vrai adorateur? Est-ce qu'on adorer en esprit et en vérité? Pas oublier, louange de bon côté la fini, mais adoration continue éternellement. Et c'est là pour apprendre. Conseil de bagay, religion dit nous que l'ennemi est dans le ciel, n'a fait. Non, c'est là pour commencer. Si je ne sais pas comment vous me faites là, comment vous me faites qu'on est pour me faire dans le ciel. That's your training ground. Campez sous pied, campez sous pied. Campez sous pied. Un bon petit moment pour nous dire papa, nous merci. Un bon petit moment pour nous dire, pour demander, pour remplir nous avec esprit, Saint-Esprit. Un petit moment pour demander pour nettoyer tout cœur nous de toute impureté.
to help you see that he is God. He is God and all by himself. Listen, he has thousands of angels, millions of angels that's worshiping him day and night, calling him holy, holy, holy is the Lord God Almighty. But yet, he said he inhabits the praise of his people. You are God's prized possession tonight. Father God, we thank you. We magnify your holy name. We give you praise right now because you chose us. We didn't choose you. You chose us. You died for us. You show of love and mercy when we don't even deserve it. You show your faithfulness, Lord God, even when we are not even faithful to you. So, Father God, we thank you for your faithfulness. We thank you for your goodness. We said, in all my life, I will sing of the goodness of the Lord. Father God, we bow down. We worship you. We surrender our lives. We surrender our possession. We surrender, Lord God, our will to be conformed to your likeness. Father God, we thank you. Hallelujah, Jesus. My people ont raison pour adorer, I swear. Parce qu'on dit si nous pas adorer, worship, à crier. Et nous plus que worship, Seigneur. Nous disons merci pour monter envers nous-mêmes. Et pour bouche nous, pas jamais suspendre le silence. Ce n'est pas seulement bouche nous, Seigneur, mais c'est pour caractère nous, mode de vie nous refléter grandeur et sainteté. Nous prions pas parce que nous bon, nous dit, mais nous prions dans le nom sauveur nous, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Est-ce qu'on va frapper mère? Frapper mère, frapper mère. Prends une minute pour faire ça. Frapper mère. Yes, come on.